sortie à la Maison-Blanche et la mobilisation des internautes qui a permis de changer la vie d'un adolescent. C'est la Minute Web de Pascal Mécognan. Maudit peut rester à Tours. C'est là que le jeune Malien de 16 ans, arrivé en septembre dernier, a commencé à reconstruire sa vie. Alors, quand l'adolescent a appris qu'il allait être réorienté vers un centre à Lille, une famille dont il s'est rapproché a lancé une pétition en ligne. Plus de 29 000 signataires, dont Omar Sy et Emmanuel Béart, ont fait changer d'avis l'administration. Maudit a appris la bonne nouvelle au dernier moment, sur le quai de la gare. Hier soir à la Maison-Blanche, c'était burger pour les invités. La cuisine fermée pour cause de shutdown, Donald Trump a reçu une équipe de football avec un buffet de fast-food qu'il a payé de sa poche. We have 300 hamburgers, many, many French fries, all of our favorite foods. Le tout présenté avec bougies, argenterie et gobelets de frites officiels. Cette photo, partagée par la Maison Blanche, est déjà culte et évidemment détournée. Une tache noire en pleine mer de Sibérie. Pourquoi Google Maps cache-t-il l'île Janet comme il le fait pour certains sites stratégiques? C'est la question posée par plusieurs internautes. Sur ce bout de terre de 3 km² appartenant à la Russie, il n'y a officiellement aucun habitant ni bâtiment. La découverte inspire des théories allant de la base secrète aux aliens, à moins qu'il ne s'agisse tout simplement d'un bug. Voici la coupe qu'un Chinois voulait en se rendant dans un salon de coiffure. Et voici celle qu'il a eue. Son coiffeur lui a dessiné 2 boutons lecture sur les côtés parce que le client avait fait pause sur une vidéo de son portable. La mésaventure amuse beaucoup les internautes du pays et le principal intéressé. Un homme qui méritait